Bonsoir à tous. Nous allons pouvoir démarrer. Alors, bonsoir Yvette, bonsoir Ennio, bonsoir Eliane, bonsoir maman, bonsoir Eugène, bonsoir Marcel, Elisabeth, bonsoir Myriam et bonsoir Madeleine. Alors, oui, je suis un petit peu en retard parce que Ariane a décidé de marcher dans la peinture, chose qu'elle ne fait absolument jamais. Et donc du coup j'ai une tâche sur mon papier, on verra comment on réglera ça plus tard. Mais ce sont des choses qui arrivent, c'est tout. Et puis voilà. Alors aujourd'hui on va peindre ce petit palmier. Si vous souhaitez avoir la photo sous les yeux tout le long du direct, elle se trouve sur mon blog. L'adresse est dans la barre d'infos juste en dessous. Merci Nathalie et bienvenue sur ce direct. Alors, ce petit palmier vient du jardin des cactus qui est pas très loin de chez moi, à Barcelone. Et c'est un jardin que j'aime beaucoup parce que la végétation est totalement atypique et c'est très calme pour s'y promener. Alors, aujourd'hui, mon papier est un papier Canson, non, c'est un papier Arche en grain satiné. Et je pense que Aria va faire des siennes ce soir, puisqu'elle a dormi tout l'après-midi, donc je pense qu'elle est au top de son énergie. Et il y a des grandes chances que vous alliez la voir. Donc j'ai un papier satiné, donc très lisse, parce que c'est ce que je préfère. J'ai des pinceaux, comme d'habitude, un gros, un plus petit et un très très fin. Et tout le matériel est listé dans la barre de description aussi, juste en dessous de la vidéo. Je vais l'actualiser demain si j'ai ajouté du matériel ou pas. On verra. Alors, on va pouvoir commencer. Je vais mettre mon image par ici. Donc j'ai une tache de couleur, comme vous pouvez le voir sur mon papier, mais c'est pas très très grave. On va faire avec. Bonsoir Véronique et bienvenue. Bonsoir Chris. Alors c'est du bleu d'un d'entraîne qu'elle a dans lequel elle a marché et ça tombe bien parce que c'est une chouette couleur, donc ça ne me dérange pas plus que ça. Mais là je prends du bleu de manganèse parce que je vais commencer par faire l'arrière-plan et donc le ciel. On va peindre un ciel très très libre sans vraiment se poser de questions parce que ce n'est pas le sujet ici. Et je vais essayer de fondre un petit peu. Voilà. Pas la peine de changer de papier. On ne verra plus la tâche tout à l'heure, ça c'est sûr. Voilà, donc c'est un ciel en bazar, on va dire. Il n'y a pas beaucoup il n'y a pas grand-chose à dire en fait, puisque j'applique juste de la couleur, j'essaie d'être un peu irrégulière. On va mettre de l'eau. On va faire glisser. Et de toute façon, je veux que mon ciel reste assez clair pour que on voit bien le palmier. Voilà. Alors, on va commencer à attaquer le palmier. Alors, dans cette première couche, je vais être très très flou. Il n'y aura pas beaucoup de détails. Je veux juste les bonnes couleurs aux bons endroits, comme je dis souvent. Et aujourd'hui, j'ai une nouvelle couleur que j'utilise. C'est une nouveauté de Schmincke et qui est aussi pleine de bleu dinde d'entraîne. Elle en a vraiment mis partout. Donc c'est une couleur de Schmincke qui a un pouvoir granulant normalement très très fort. Et c'est une couleur qui m'intéressait depuis très longtemps et je suis très contente de pouvoir enfin la voir. Donc je vais utiliser ce vert pour placer le
la tête du palmier. Il n'y a presque rien à faire, la couleur voyage toute seule, c'est assez drôle. Donc ces couleurs granulantes de schminke sont des mélanges de pigments en fait. Et ce vert, il y a du vert dedans, mais il y a aussi un pigment qui se rapproche du rouge oxyde transparent. Et quand on joue avec l'eau et ce pigment, on peut avoir des beaux effets de séparation et on commence à les voir ici. On voit sur le bord que c'est beaucoup plus rouge et sur l'intérieur que c'est un petit peu plus vert froid. Bonsoir Haïfa. Alors, on va continuer, on va descendre un petit peu ce vert. Je vais lui donner une touche un tout petit peu plus froide en ajoutant un petit peu de bleu d'Inde d'entraîne avec ce qui reste sur ma palette ici. Ça va nous permettre d'avoir un petit peu plus de relief dans le vert. Toujours bien d'avoir plusieurs tons. Alors là, j'ai aussi une grosse flaque d'eau qu'il va falloir gérer, mais ça ne devrait pas être un problème. Et sur mon image, vous voyez que j'ai aussi des. Je pense que ce sont des yuccas qui sont en dessous. Et on va essayer de les suggérer, mais en étant très très libre et sans en faire trop, je l'espère. Donc je prends toujours le vert qui reste dans ma palette. On va essayer de créer une sorte d'ombre en fait ici. Je voudrais que ce soit assez flou et assez doux. Donc on va peut-être voir un peu ce qu'on peut faire avec ça. J'incline mon papier pour faire couler les flaques d'eau trop importantes. Je reprends un peu de bleu d'Inde d'entraîne. C'est peut-être un tout petit peu trop bleu pour le moment. Je vais mélanger une touche de jaune de nickel azo. Et là, c'est beaucoup trop de jaune de nickel azo. Voilà. Voilà, c'est un vert plus froid qui donc va se différencier du vert qui est assez chaud ici et très dans des tons de terre. Et c'est une bonne chose. Je vais prendre une éponge naturelle que je vais bien mouiller. Je vais venir flouter certains bords. Ça va ajouter un petit peu de texture et un peu de douceur normalement. Je vais plutôt prendre mon pinceau en le rinçant bien pour juste flouter ces parties-là avec un petit peu plus de douceur qu'avec l'éponge. Ici, je pense que c'est intéressant de garder un peu de blanc, mais je veux aussi qu'il n'y en ait pas trop. Alors, je charge mon pinceau en eau et je vais incliner mon papier et déposer un petit peu d'eau pour engager les pigments à voyager un petit peu. Pareil, je vais revenir flouter ici parce que je pense que c'est un tout petit peu trop dur. Voilà. Donc je reprends mon mélange de bleu d'Inde d'entraîne et de jaune de nickel azo que j'ai utilisé ici avec peut-être un petit peu plus de bleu d'Inde d'entraîne. Plus je vais en bas de ma feuille. Et je rince parce que ici c'est un tout petit peu trop net. Je veux un peu plus de douceur. J'essaye aussi d'enlever un petit peu toutes les zones trop blanches, des zones où il n'y a pas eu de couleur du tout, pour qu'il n'y ait pas trop de choses qui dérangent le regard. Alors je pense qu'on peut rajouter un tout petit peu de bleu de manganèse par ici. Je vais essayer de le faire rentrer à certains endroits dans la zone du palmier.
parce que le panier a un petit peu pris toute la place. Voilà. Alors on commence à voir des granulations qui sont bien marquées dans cette zone-là, et en plus avec une séparation de pigments, je n'ai pas mis du tout de rouge oxyde transparent, et pourtant on a cette couleur-là qui vient en fait du vert que j'ai utilisé, et ça se sépare, et du coup ça donne du volume. Et un effet vraiment intéressant sur cette aquarelle. Bonsoir Evelyne. Alors, c'est peut-être un peu dangereux. Je pense que je vais rajouter un petit peu de couleur et donner une première idée du tronc. Ah. Et bien sûr, nous avons une livraison pendant le direct. Voilà. Ça n'est pas grave, on va Voilà. faire avec. Vous connaissez Arlo et de l'ascenseur? Alors, Gracias. j'utilise pour le tronc une deuxième couleur de schminke qui est ici, qui est le orange toundra. Je crois que je ne l'ai pas dit avant, mais le vert que j'ai utilisé, c'est le vert toundra. Et c'est un orange qui est composé d'un pigment aussi dans les tons de terre et d'un pigment un petit peu plus rose. Et donc il a aussi une texture et il se sépare aussi sur le papier. Alors comme vous voyez, tout est très très humide. Donc la couleur voyage très très vite. Mais je pense que c'est plutôt une bonne chose. Cette zone-là est presque sèche en fait, ce qui fait que je peux tout de suite avoir un bord net à cet endroit-là. Je pense que ça tombe très très bien. Alors même si on n'en est qu'à la première couche et qu'il n'y a aucun détail, j'ai l'impression de voir un panier dans une tempête, comme ça a pu arriver cette année à Barcelone. On a eu des gros coups de vent et je trouve que ça représente bien ce qui se passe, parce que même si c'est une image figée, je trouve qu'il y a beaucoup de mouvement qui est déjà présent ici. Alors, je voudrais rajouter un tout petit peu de densité de couleur en mélangeant le vert toundra avec le bleu d'Indentrême à certains endroits. Voir si je peux déjà commencer à créer une texture, à donner du volume. Il y a des parties qui sont humides et il y a des parties qui ne le sont pas. Donc c'est un peu dangereux. On risque d'avoir des auréoles qui se forment. Mais comme c'est la première couche, s'il y a une auréole, ça n'est pas très très grave. Parce que on peut toujours jouer avec et travailler avec ça dans une couche. Alors rien que ça donne déjà une petite idée des ombres qui peuvent être présents. Je pense qu'on est plutôt pas mal pour une première couche. Et je vais vous faire remarquer que la tache qu'a fait Aria ne se voit plus du tout. Donc elle l'a fait peut-être au bon endroit, mais en tout cas, il n'y a pas de problème. Je vais faire sécher cette couche au sèche-cheveux. Donc, comme d'habitude, je vais vous couper le son pour que je ne vous casse pas les oreilles. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser pendant ce temps-là et j'y répondrai dès que je reviens. Voilà. Je reviens donc dans quelques instants.
Alors, j'ai vu que quelqu'un voulait que je redise le nom du ver. C'est le ver toundra. C'est une nouveauté de Schmincke qui est sortie, je crois, en décembre et qui est disponible d'ailleurs, pardon, chez Aquarelle et Pinceaux. Alors, Réjeanne nous dit qu'elle utilise un papier arche satiné comme moi et qu'elle n'arrive pas à faire naviguer les couleurs et qu'elle préfère le papier Monvel. Eh bien, si vous préférez le papier Monvel, n'hésitez pas à l'utiliser en fait. Il faut surtout que vous utilisiez des produits qui vous fassent plaisir et qui sont faciles pour vous. Vous avez sûrement commencé avec du Monvel et du coup, vous avez les petites habitudes et les petits trucs pour le faire fonctionner. Donc ce n'est pas un problème du tout. Vous pouvez totalement l'utiliser, c'est un très bon papier. Et si c'est ce que vous préférez, il n'y a vraiment aucun problème. Et généralement, si vous avez des problèmes à faire naviguer les couleurs, je pense que, il faudrait peut-être ajouter un peu plus d'eau. C'est souvent le problème avec quand on passe du papier cellulose en papier coton. Le papier cellulose a besoin de moins d'eau. Et le papier coton a besoin d'un petit peu plus d'eau. Alors, pour les différents bleus utilisés, il y a le bleu d'indanthrène et le bleu de manganèse. Donc, le bleu de manganèse, c'est principalement celui qui est sur le ciel. Et le bleu d'indanthrène, c'est ce que j'ai utilisé ici pour créer un vert un petit peu plus froid, pour contraster avec le bleu, le vert du panier. Alors, on va continuer. Je vais repartir sur ce pinceau, celui-ci, qui est un pinceau qui est plat, mais avec un bout ovale, et qui permet donc une grande liberté de mouvement, parce que les poils aussi sont un petit peu plus longs. Je vais reprendre du bleu d'indanthrène, en tout cas le mélange qui est ici, avec un petit peu de ce vert toundra. Peut-être un peu plus de bleu d'indanthrène cette fois-ci. J'aime bien commencer dans la deuxième couche par des couleurs foncées ces derniers temps, parce que ça permet de voir où on va. J'ai un tout petit peu trop d'eau sur mon papier, sur mon pinceau, pardon. Donc je vais d'abord réintensifier un petit peu toutes les zones sombres. Et je vais déjà essayer d'avoir une idée de la texture des feuilles de palmier. Je vais plutôt faire des traits un peu dans toutes les directions. Pour donner un peu cette idée de texture déjà. Alors, j'hésite pas aussi à re-regarder mon image pour être sûr que je fais ça de manière logique. J'ai commencé avec un papier totalement sec, Véronique. C'est toujours ce que je fais, mais au fur et à mesure que j'ajoute des couleurs, je finis avec un papier quasiment humide partout. Et j'aime bien commencer avec un papier sec, parce que ça permet de placer les couleurs avec un petit peu plus de précision. Si le papier est humide, ça a tendance à se sauver. Très très vite. J'ai presque envie déjà de changer de pinceau. Je pense que c'est adapté ici. Je vais prendre ce pinceau en forme de dague. Pareil qu'on trouve chez Aquarelle et Pinceaux si vous cherchez un pinceau de ce genre. Et celui-ci a un côté un petit peu nerveux, qui est assez intéressant et qui va donc me permettre d'avoir un petit peu plus d'expression dans mes lignes.
Donc je reprends le même mélange. J'essaie de toujours conserver quand même beaucoup de vert toundra parce que c'est le vert qui me tente en ce moment et j'aime beaucoup cette granulosité. Donc j'applique toujours ma couleur en essayant d'avoir en tête la texture des feuilles de palmier. J'essaye de ne pas être trop systématique aussi. Et on va venir flouter aussi de temps en temps pour donner un petit peu plus d'énergie. Alors le pinceau dague, c'est celui en un quart de pouce. Donc je crois que c'est le plus petit, si je ne me trompe pas. Il me semble que c'est plus petit, oui. Oui, c'est vrai que c'est un pinceau qui est très très intéressant. Il retient beaucoup d'eau parce que c'est un pinceau synthétique, mais qui a été fait pour retenir de l'eau. Et pourtant, il ne s'avachit pas comme un pinceau en poils naturels. Les poils reviennent assez vite dans leur forme d'origine, et du coup, c'est pour ça que je le qualifie de nerveux. Parce que il revient en place et on peut refaire une ligne sans problème avec. Donc je vais alterner les lignes et les flous pour avoir toujours cette énergie et ce flou qui rend les choses si poétiques à l'aquarelle. Peut-être qu'à certains endroits, on peut imaginer qu'il y a un petit peu plus de bleu d'Indochine parce que c'est beaucoup plus sombre. Et toutes les feuilles de ce palmier ne sont pas vertes. Donc je vais prendre cette même couleur orange toundra que j'ai utilisée pour le tronc et on va faire quelques feuilles avec. Alors les feuilles qui sont plus colorées en orange. Ce sont souvent les feuilles de l'année dernière qui vont tomber, ou pas d'ailleurs, puisque souvent elles restent pendant quelques temps là-haut. Mais en tout cas, elles sont en dessous parce que ce ne sont pas les plus jeunes feuilles. Donc, on pense à ça pendant le placement pour bien les faire en dessous pour que ce soit logique. Alors comme ce sont des couleurs qui granulent, le vert toundra et l'orange toundra que j'utilise aujourd'hui, c'est des couleurs qui sont un tout petit peu plus opaques que ce que j'utilise d'habitude. Et du coup, elles vont se voir un petit peu sur des zones plus sombres, donc ça peut être intéressant aussi. Je pense qu'on a presque besoin d'avoir de l'ocre jaune en fait dans ces feuilles aussi. Parce que je me demande si cette orange est pas un petit peu trop sombre. Et l'ocre va ajouter un petit peu de lumière, j'espère. En tout cas, une variété dans les tons de ces feuilles. Aussi en faire peut-être par là sur les pointes un petit peu. Celle-ci est rattachée à rien donc on va la flouter un peu et on veut peut-être la rattacher d'ailleurs mais je voudrais avoir un vert un tout petit peu plus vert donc j'utilise du jaune de Nicalazzo avec du bleu d'Indochine pour avoir un vert tout petit peu plus
brillant, un petit peu plus franc. Est-ce qu'on peut imaginer que ce côté-là est un petit peu plus éclairé par le soleil? Et il a donc moins cette couleur de terre que ce côté-là qui est un peu plus dans l'ombre. Alors, France, il y a plein de couleurs granuleuses. Généralement, celles qu'on connaît tous, c'est le bleu outre-mer. L'ocre jaune aussi, selon les marques, est granuleux. Et souvent, en fait, les couleurs de terre sont granuleuses parce que c'est des couleurs qui sont faites avec des pigments plus naturels. Et du coup, ça s'en ressent. Alors. Et on sent vraiment que j'ai rajouté du jaune de nickel azo ici, mais on a besoin d'en aller un petit peu ailleurs parce que ça fait trop juste à un endroit et c'est tout. C'est toujours bien d'avoir une couleur qui se répète à différents endroits. Ça donne une unité en fait dans l'ensemble. Donc j'en pose à d'autres endroits, je crée d'autres branches avec. Et je vais venir les flouter un tout petit peu pour pas qu'elles prennent trop le pas sur le reste. Parce qu'on veut toujours garder cette idée de mouvement qu'on a créé pendant cette première couche. Alors pour l'instant, je vais laisser le palmier tranquille. On peut peut-être faire encore quelque chose. Juste créer un petit peu plus de texture et un petit peu plus de définition sur le tronc. Et pour ça, je vais prendre ce mélange qui est là. Il y a de grandes chances que ce soit du rouge oxyde transparent avec sûrement du bleu d'Inde d'entraîne. Je vais revenir avec l'orange Tundra. Je pense qu'il faut flouter un petit peu à certains endroits. Et en haut aussi. Et voilà. On a tout de suite un tout petit peu plus de texture et un petit peu plus de définition, mais on reste quand même dans la suggestion et vraiment pas dans le réalisme. Alors je vais essayer de travailler un petit peu cette zone-là. J'ai envie qu'elle reste très très floue, mais on a quand même besoin d'un tout petit peu plus de définition ici, parce qu'il y en a beaucoup ici et il faut trouver un équilibre entre les deux. Donc on va essayer de faire ça ensemble. Donc cette fois-ci, je reprends mon gros pinceau. Et beaucoup d'eau. Je vais prendre le mélange qui est présent ici. Peut-être rajouter un petit peu de jaune de nickel azo. Oui, Evelyne, je vais sûrement faire un zoom quand je retravaillerai un petit peu plus le palmier, si vous voulez. Pour l'instant, comme je travaille sur une grosse zone, je pense pas que ce soit nécessaire. Mais la prochaine fois que je travaille sur une plus petite zone avec plus de détails, je vais essayer d'y penser. Alors. Je vais essayer de faire des marques en pensant aux formes qu'ont les yuccas qui sont en dessous. Pour avoir toujours cet aspect proche du réalisme, mais pas tout à fait. Bonsoir Yolande, bienvenue. Donc je rajoute un petit peu plus de bleu d'Inde d'entraîne parce que je veux que cette zone soit un tout petit peu plus froide. Ça permet aussi de donner un petit peu de volume à ces yuccas. Et là, je reviens avec du vert, donc le jaune de nickel azo et le bleu d'Inde d'entraîne. Pour
Pour l'instant, je vais m'arrêter là et je vais reprendre mon éponge. Et je vais de la zone qui n'est pas colorée vers la couleur pour juste estomper en ayant quelques traces qui se font toutes seules. C'est un peu la même technique que ce que j'ai utilisé pour faire la branche de sapin avec les pommes de pin. Je crée la texture avec l'éponge juste en bougeant les pigments qui sont déjà présents sur le papier. Donc ça permet de flouter un peu et pourtant d'ajouter une idée de texture sans être trop imposant. Ça reste un petit peu subtil. Et c'est justement une bonne chose. Je vais essayer juste de foncer encore un peu cette zone. Et je pense qu'on peut infuser dans cette zone aussi le rouge oxyde transparent. Alors je vais prendre un autre pinceau, je vais prendre celui-ci, ça sera plus facile. Donc comme la zone est humide, il devrait bouger sans trop de problèmes et ça permet d'avoir un rappel de cette couleur à d'autres endroits. Ça va neutraliser aussi un petit peu le bleu. Une bonne chose. Et en plus, on a cette couleur qui est un peu présente sur la pointe des feuilles de yucca. Donc ça reste totalement logique. Je vais rincer mon pinceau. Ça paraît très très sombre en fait sur la caméra, mais ça l'est beaucoup moins en vrai. Je ferai une photo demain matin, bien sûr, comme d'habitude, pour que vous ayez un peu une meilleure idée de ce que ça donne. Alors, je vais prendre ce petit pinceau-là maintenant. Il est rincé, il n'a pas de couleur dessus, et il est plutôt essoré. Et je vais faire bouger l'aquarelle qui est déjà présente. Donc, dans les zones foncées, je vais aller vers les zones claires et ça va emporter un petit peu de ce pigment foncé dans la zone claire. Et après, on fera un peu l'inverse avec en le rinçant. Parce que quand on le rince et qu'on les sort, en fait, on peut faire presque des traces blanches sur les zones foncées parce que c'est encore humide. Donc, c'est ces petites. Ces traits vont renforcer un petit peu l'effet de l'éponge. Et en restant tout de même très très doux. Mais c'est dingue parce que là j'ai vraiment que de l'eau sur mon pinceau et ça fait tout de suite un trait blanc. Ah bah, je vais peut-être pouvoir maintenant vous faire un zoom parce qu'en plus comme c'est très sombre, vous avez du mal à voir. Donc, j'ai mon pinceau donc rincé et dès que je passe dans une zone plus sombre, l'eau qui est sur mon pinceau va pousser les pigments qui sont présents et se faire une petite place et du coup, ça éclaire un petit peu la zone foncée. Je pense qu'on peut arrêter là pour l'instant, dans cette zone-là. Et on va refaire un petit peu de détails par ici. Juste renforcer quelques contrastes à certains endroits pour donner un tout petit peu plus de volume, je pense. Je pense que ça le nécessite. Et pour ça, je vais toujours utiliser le toundra, le vert toundra, avec le reste de vert qu'il y a dans ma palette. Voilà.
Et on va essayer. Je vais tamponner un tout petit peu mon pinceau pour qu'il n'y ait pas trop d'eau dessus. Voilà. Pour pas faire de gouttes trop importantes. J'essaye de trouver des zones où je peux rajouter des feuilles en négatif en fait. Donc en peignant entre les feuilles plutôt que les feuilles elles-mêmes. Ça permettra d'ajouter de la complexité et une touche de réalisme sans en faire trop. Et parfois, je vais rajouter une feuille plus foncée. Donc toujours varier négatif et positif pour apporter de la variété et de l'intérêt. Donc là, par exemple, j'ai fait une feuille plutôt foncée et je vais aller vers la zone claire qui est à côté pour déterminer la feuille claire qui passe par-dessus cette feuille foncée. Alors, bien sûr, ça peut paraître un peu brouillon quand on zoome, en fait, mais c'est l'effet voulu. Je donne des indications à votre cerveau pour comprendre ce qui se passe sur la feuille. Et votre cerveau va combler les trous, en fait. Je donne des petites indications sur le fait que ce sont des feuilles de palmier. Donc avec les multitudes de feuilles sur une tige, le tronc, la façon dont les feuilles sont placées, et c'est votre cerveau qui va remplir les trous et qui va vous faire penser et voir ce panier. Alors en plus là il y a un côté très tempête. Je trouve que ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de fluidité, mais je trouve que c'est plutôt intéressant. Et je pense que j'ai envie d'arrêter là. C'est un peu tôt, ça ne fait pas totalement 1 heure, mais je suis assez satisfaite de ce qui se passe là et je n'ai pas trop envie d'en faire plus. Si vous avez des questions, bien sûr, je suis à votre disposition, n'hésitez pas à les poser. Et comme d'habitude, je vais faire une photo demain matin de l'aquarelle parce que je peux vous garantir que cette zone-là est beaucoup plus claire en vrai. J'ai beaucoup de contraste aujourd'hui sur mon écran et c'est un peu dommage, je pense. Donc je ferai une photo demain, je mettrai aussi à jour le matériel utilisé, même si je pense que j'étais relativement sage aujourd'hui. Je n'ai pas ajouté trop de couleurs, je pense. Alors bien sûr, on se retrouve aussi vendredi pour une nouvelle vidéo. Ce sera sur les crocus cette fois-ci, mais vu d'une façon un petit peu différente. Et je vous engage vivement à la regarder parce que je pense que c'est très intéressant et c'est peut-être quelque chose auquel vous ne vous attendez pas forcément. Oui, on peut définir cette façon de faire un peu comme de l'abstraction. En fait, c'est à mi-chemin entre l'abstraction et le réalisme parce qu'on peut quand même déterminer des formes dans ce qui se passe, mais il y a beaucoup de place laissée à l'imaginaire du spectateur et ça peut être très... Ça ne va pas plaire à tout le monde forcément, parce que quand on regarde une de mes aquarelles, il faut faire un petit peu de travail peut-être avec son cerveau, mais c'est ce qui me plaît de faire et oui, donc ça s'approche un peu de l'abstraction. Alors si vous avez peint en même temps que moi et si vous êtes sur Instagram, n'hésitez pas à me taguer sous vos créations pour que je puisse les voir parce que ça m'amuse beaucoup de voir ce que vous faites. Souvent, vous travaillez très très bien et vous êtes très très dur avec vous-même. Et les voir, ça me permet aussi de mettre un petit commentaire et de vous encourager à continuer.
Alors, on va se retrouver aussi mardi prochain pour un nouveau direct. Et je pense que ce sera une plage à nouveau, mais cette fois-ci pas une plage d'Espagne, peut-être une plage française. Alors je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions ce soir, alors je vais vous laisser là. Merci à tous d'avoir participé à ce direct. C'était très très sympa comme d'habitude. Donc je vous rappelle qu'on se retrouve vendredi pour une vidéo et mardi prochain pour un direct. Vous pouvez trouver toutes les informations bien sûr sur mon site internet et souvent sur Instagram aussi. Je vous encourage à me suivre là-bas. Bonne soirée à tous et à très bientôt.